Mais mon frère, ainsi que toi, ma sœur, le plus petit châtiment en enfer, c'est de marcher sur des braises de feu jusqu'à ce que ton cerveau bouillonne. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. T'imagines un petit peu, qui d'entre nous pourrait supporter un tel châtiment? Qui d'entre nous aimerait s'exposer à un tel châtiment? J'en suis sûr qu'il n'y a aucun parmi vous qui veut s'exposer à ce châtiment. Mais pourtant, nos actions montrent le contraire. Fornication, à mort. Drogue, on n'en parle même plus. Désobéissance aux parents, j'en parle pas. Vol, tyrannie, violence. L'injustice se transformera en ténèbres, Yom al-Qiyam. Le jour du jugement, toi qui as été injuste, toi qui as commis des bavures, si tu t'es pas repenti avant et que tu n'as pas demandé pardon et restitué les dépôts à leurs ayants droit, Yom al-Qiyam, tu seras en train de distribuer tes hasanats si tu en as pour rembourser le mal que tu as fait. Et si tu n'as pas de hasanats ou tu en as plus, les personnes lésées prendront leurs péchés et les jetteront sur ton dos. Et ta destination sera l'enfer, wal'iyadu billah.